madame Ratel, vous avez fait bon voyage? Très bon, merci beaucoup. Montez vite pour ne pas prendre froid. Les soirées commencent à prendre la fraîcheur. Montez. Attention, escalier un peu raide, le château. Allez. Entrez donc, madame Ratel, entrez. Entrez. Vous savez bien, Kirsty, qu'en présence de nos invités français, je souhaite que l'on musite cette langue pour honorer eux. C'est pareil pour vous, compris, Kirsty, voyez. Yes, sir. Ah. Mais les pêches, c'est mon étrandoir parisien, hein. On a écrasé le gros bouche. Oh, moi, je suis désolé, mais Kirsty, excusez-vous. I'm sorry. Vous parlez très bien français, monsieur Darnley. Oh, c'est gentil à vous de dire que j'utilise bien le français. C'est une tradition pour nous. Et pour tous ceux qui travaillent dans cette maison, de bien parler le français. Ah, mais appelle-moi donc Gordon, puisque nous sommes appelés à être de la même famille, puisque nos enfants Lise et Donald ont décidé de réunir leur vie par un mariage. C'est gentil. Vous ne portez pas de... Car, nous avons des origines avec Maurice Mann, qui fut votre reine aussi, n'est-ce pas? Vous ne portez pas le... Vous voulez le qui? Oui. Non, c'est une belle tradition, mais peu commode. Il y en a certains qui portent encore dans certaines circonstances, mais c'est une peu commode. Veuillez excuser ma épouse Déborah, qui termine sa toilette avant de venir vers vous. Mais Curfy va vous servir un caporti pour remettre mon voyage. Installez-vous. À moi, vous préférez un café? Un jus d'orange, peut-être? N'auriez pas un coup de cid? Un coup de café. Je veux dire à Curfy. Un cheat! Faut que tu mettes un cheat que m'a dit la faire plaisir comme tout le monde, hein? Pour leur faire plaisir! Là-bas, ils sont tous en cheat qu'elle a dit, tu parles? Et quoi qu'elle ait Michael derrière mon frère maintenant, hein? Dis-moi de quoi j'ai l'air, hein? T'as négocié? T'as négocié! Oh, c'est pas possible! Oh, dear madame Water, you have a good... Oh, sorry! Vous avez fait un bon voyage? Oh, darling! Ce n'est pas madame Ratel. C'est monsieur Oh, je suis absolument confuse. Tous mes hommages, monsieur Ratel. Je suis ravie d'accueillir vous dans notre demeure. Si rien, ce n'est à cause de la jupe. Ma femme est adorable, mais pas moyen de le faire par coquetterie porter ses lunettes. Elle est, comment dites-vous? Quelle bête dites-vous? Bon, elle est miro comme un écureuil, comme un souris, comme... Oh, vous exagérez, Gordon, vous exagérez toujours. Non. Comme une taupe. Wow. On dit miro comme une taupe. Ah, yes. Ma femme est miro comme une taupe. Yes. Alors on dit, ma femme est mirote comme une taupe. Elle est aussi très attourdie, vous verrez. Ah, on dit... Comment dites-vous en français? Elle est dans la lune? Oui, dans la lune, oui, pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est pour my dear? Nothing, darling, nothing. Ben, ça va être facile à se faire comprendre, vous le dites. Oh, enchantée, madame Watel. Enchantée, monsieur Watel. Vous êtes à l'aise après le voyage? Très à l'aise. Oh, vous portez le kit? Mon uniforme, pas de fond? Oh, ben, ça va. Je vais mettre ma cote et mes bottes, comme ça, vous me foutez la paix, hein? Oh, ben, moi, je vais aller bien à Kirsty de vous préparer le thé. Oh, Darnley, mais portez vos lunettes. Pas moyen de lui faire d'être pas d'accord qu'elle porte ses lunettes. Installez-vous, nous sommes vraiment ravis de faire une